Quand Félix Guirola pédale dans les rues de la Havane, il ne passe pas inaperçu. Ce Cubain consacre son temps libre à construire des vélos géants. Il a assemblé son premier pour récolter de l'argent pour aider sa sœur handicapée. Depuis, c'est devenu sa passion. Celui-ci fait presque 6 mètres de haut, mais Félix aspire à encore plus. C'est ce que j'aime et je me suis donné pour but d'arriver à 12 mètres. D'abord, je vais faire celle de 8 mètres de haut et ensuite celle de 12 mètres. Il a installé son atelier chez lui, dans la vieille ville. Son but, assembler les pièces de vélo pour détenir un record qui soit reconnu sur le plan international. La selle de son vélo se trouve à 5,60 m de hauteur, soit 5 cm de plus que la bicyclette du Canadien détenteur du record officiel Guinness depuis 2004. Personne ne m'a reconnu, personne ne m'a informé que je détenais le record. Sa femme, Francisca Acosta, pourrait bien aussi décrocher un record, celui de la meilleure compagne. Je lui dis parfois que c'est comme une obsession ce qu'il a, parce qu'il est tout le temps avec sa bicyclette, et de plus en plus haute, et je vois que ça monte, ça monte. Elle le soutient et s'est aussi habituée à utiliser ses vélos comme moyen de transport. Au début, je me sentais un peu bizarre parce que je n'étais pas habituée à ce genre de vélo, à cette hauteur. Mais peu à peu, il m'a convaincue. Voilà un couple qui continuera de pédaler jusqu'à ce que son rêve se réalise.